suis Laurent Rouillade, formateur informatique à domicile. Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à enregistrer vos documents. Dans un premier temps, nous enregistrerons un fichier dans le dossier Mes documents, qui est le dossier par défaut de Word. Par la suite, nous découvrirons ensemble comment enregistrer soit dans un dossier spécifique de l'ordinateur, différent du dossier par défaut, soit sur clé USB, soit sur disque dur externe. Pour comprendre toutes ces notions, il est essentiel de maîtriser le classement de votre ordinateur, c'est-à-dire comprendre le classement interne de votre ordinateur personnel. J'ai réalisé toute une série de vidéos concernant la gestion des fichiers. N'hésitez surtout pas à venir les visionner ou revisionner. Comment enregistrer le fichier dans le dossier par défaut Mes documents de mon ordinateur? Donc je vais ouvrir Word et ici on va taper un texte et puis ensuite on viendra l'enregistrer. Donc mon texte est saisi. Maintenant, je vais procéder à l'enregistrement de ce fichier. Donc, je vais venir sur le menu Fichier. Fichier. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Enregistrer sous. Là. Donc là, par défaut, il vient dans le dossier Mes documents. Et là, je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler Informatique. Voilà, donc là on est en format Word et là je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Maintenant nous allons vérifier que notre fichier a bien été enregistré. Donc je vais venir dans l'explorateur de fichiers. Je l'ouvre en grand pour mieux voir et je vais venir dans mon dossier document. Et dans mon dossier document, j'ai informatique. Donc pour vérifier que c'est bien le même, je fais un double clic gauche dessus. Donc là, notre fichier est bien le même. Donc, comment enregistrer un fichier dans un dossier spécifique de l'ordinateur? Donc maintenant, je vais aller enregistrer mon fichier dans un dossier spécifique. Donc là, je vais venir sur le menu Fichier. Enregistrer sous et par exemple donc on va venir dans documents, on peut créer un nouveau dossier ici, nouveau dossier, on va l'appeler technologie par exemple. Je vais ouvrir mon dossier technologie. Technologie. Et là, ici, je vais l'appeler info. Donc là, je viens saisir mon nom, info. Et là, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Donc le fichier est enregistré sous le nom info. Enregistrer un fichier sur clé USB. Donc, on va enregistrer notre fichier sur notre clé USB. Donc, je vais venir sur le menu Fichier, Enregistrer sous. Et là, je vais venir chercher ma clé USB. Donc là, on va prendre l'ascenseur et on va venir chercher la clé USB. Donc là, je l'ai appelé pour l'exemple ici, ma clé. Et là, je vais mettre le nom comme je veux l'appeler. Informatique par exemple 2017.
Et là, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Comment enregistrer un fichier sur disque dur externe? Donc ici, le principe va être quasiment le même qu'une clé USB. Donc je vais revenir sur le menu Fichier. Fichier. Ensuite, je viens sur Enregistrer sous. Et là, je vais venir chercher mon disque dur externe. Donc, mon disque dur externe s'appelle Perso. Hop, j'ai raté Perso. Et là, pour l'exemple, j'ai créé un dossier démonstration. Donc, je vais venir dans démonstration. Et par exemple, je vais l'appeler Informatique janvier 2017. Et là, je viens appuyer sur le bouton enregistrer. Cette courte vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et pourquoi pas à vous abonner en cliquant ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!